Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus. Je m'appelle Margaret Huber et j'ai le grand plaisir, en tant que président du nouveau groupe d'études sur l'Europe, de vous accueillir ce soir pour le troisième de notre série d'événements en ligne. Nous sommes ravis que pour cette discussion, nous soyons à nouveau rejoints par des conférenciers et modérateurs exceptionnels. Et un merci à tous de vous. Nos distingués conférenciers seront présentés plus en détail par notre modérateur de ce soir. Quand à notre modérateur, il est bien connu de beaucoup d'entre vous. Cependant, pour les autres et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire son profil en ligne, John Noble a occupé nombreux importants postes à l'étranger. Ambassadeur en Suisse, en Grèce, en tant que ministre auprès de notre ambassade à Paris et consul général à Monaco. Il a également servi à l'étranger au Sénégal, en Turquie, en Angleterre et à Genève. À Ottawa, il a occupé de nombreux postes à haut niveau. Ancien président du Conseil international du Canada à Ottawa, il conseille et encourage toujours le groupe d'études sur l'Europe. Il continue d'étudier de près, chaque jour, les événements, les développements internationaux. Mais il aime surtout passer du bon temps avec sa famille au chalet, avec la visite de nombreux oiseaux migrateurs et parfois de sa famille et de ses petits-enfants de Genève. Mais avant de demander à notre modérateur de présenter plus formellement nos conférenciers, permettez-moi de mentionner notre réunion du 7 juin, une réception et une conférence sur la sécurité européenne en 2023. Très opportune. L'événement en personne à Ottawa comprend une discussion avec l'ambassadeur de Lettonie, animé par notre ancien ambassadeur canadien, Scott Hetherington. Et permettez-moi encore une fois de vous remercier de votre présence ce soir, pas pour la dernière fois, j'espère bien. Mille merci à tous. À vous, John. Merci beaucoup, Margaret, et bonsoir à tout le monde. Avant d'introduire nos deux conférenciers, je veux te féliciter, Margaret, pour avoir pris l'initiative de créer un groupe d'études sur l'Europe du chapitre de la capitale nationale du CIC. À ma connaissance, c'est la première fois que la France est le sujet d'une discussion du chapitre de la capitale nationale, et je note la présence sur Zoom d'une bande nombre d'ex-collègues de Margaret, de Mark Lottie et de moi, avec une expérience en France ou dans d'autres pays francophones. D'autres pourront regarder l'enregistrement de cette session plus tard. Ce n'est pas toujours que j'ai l'occasion et l'opportunité d'introduire deux conférenciers que je connais depuis des années. J'ai rencontré Jocelyn Coulon, qui vient ce soir de Montréal, dans les années 80, quand il était journaliste
au devoir. Il me posait beaucoup de questions sur le rapport Canada-États-Unis et plus tard des questions sur le rapport Est-Ouest à l'ère de Gorbatchev et son perestroïka et glasnost. En lisant son dernier livre, Ma France, Portrait et d'autres considérations, j'ai appris que le père de Jocelyn était un Français, Jacques Coulon, qui est venu comme immigrant au Québec où il a marié une fille de Shawinigan, André Duchesne. Jocelyn écrit que son père avait visité tout le Québec et le Canada et qu'il était fédéraliste au Québec et voté en conséquence. Il aimait cette province qu'il connaissait comme peu de Québécois. C'est toujours le cas avec des migrants qui connaissent mieux le pays que les citoyens de longtemps. Comme Jocelyn dit dans son livre, ce n'est pas un livre sur la France, mais un livre sur sa France. Et c'est important. Il note que ce livre consiste d'une galerie de 16 portraits où on trouve quelques-unes de ses impressions sur la France. Il dit qu'il a choisi d'abord d'aborder des questions de société qu'il appréciait importantes de présenter aux lecteurs québécois. Il dresse le tableau d'un pays plein de ressources et qui demeure une grande puissance. Donc voilà pourquoi nous avons posé la question, est-ce que la France est toujours une grande puissance, comme titre de cette session. Ça fait partie du livre de Jocelyn, et je suis certain qu'il va vous expliquer son raisonnement en détail, ainsi que de partager d'autres observations sur son livre concernant le rôle de la France en Europe, dans la guerre en Ukraine, ses observations sur l'utilisation constante de l'anglais sur les enseignes, dans la publicité, dans les communications quotidiennes en France, et pourquoi la France était-elle aussi un t-shirt de la reine Elisabeth II. Il va vous expliquer pourquoi la distinction entre Canadiens et Québécois met du temps à s'imposer en France et pourquoi la France est encore prisonnier de totems et tabous qui bloquent son développement économique, social, humain et même international. Ce n'est pas lui qui a écrit ça, mais il cite quelqu'un dans son livre. Jocelyn a été membre du groupe de conseillers sur les affaires internationales de Justin Trudeau en 2014-2015 et conseiller politique au cabinet du ministre des Affaires étrangères, Staffan Dion, en 2016 et 2017. Michel Dion, comme tout le monde sait, est maintenant notre ambassadeur à Paris. Notre deuxième conférencier, Marc Lorty, est originaire de Beauport à Québec. Il vient ce soir de Victoria en Colombie-Britannique, où il s'est installé après avoir pris sa retraite d'une carrière chevronnée aux affaires étrangères, maintenant connue comme affaires mondiales. Je l'ai rencontré pour la première fois au début des années 80. Il servait comme porte-parole du premier ministre Mulroney et conseiller de confiance de divers premiers ministres sur les questions fédérales provinciales. À ma connaissance, Marc n'a pas encore écrit un livre sur la France, mais ses affectations à Paris comme ministre conseiller aux affaires politiques et en tant que représentant personnel pour le premier ministre pour les affaires de la francophonie, suivait plus tard comme ambassadeur du Canada en France pendant 5 ans, leur permettrait de remplir un livre plein de vignettes sur la France et ses rapports avec le Canada et le Québec. Marc était fortement impliqué avec l'ambassadeur Lucien Bouchard dans les négociations qui ont réglé la participation du Québec au sommet de la francophonie. Marc a aussi servi comme ambassadeur du Canada au Chili et en Paraguay et en Espagne et en Andorra. J'ai oublié de dire, mais Margaret l'a déjà indiqué, que j'ai servi que Marc était ambassadeur à Monaco quand il était résident. Et comme Margaret a mentionné, j'ai été consul général du Canada pendant mes 4 ans. À cette époque-là, le Monaco ne permettrait pas l'accréditation des ambassadeurs non résidents. Alors, Marc a eu le bénéfice de l'utile. Quelqu'un que ni Jacques Roy, ni Benoît Bouchard a eu le plaisir de faire quand j'étais là. Je vais maintenant passer la parole à Jocelyn et ensuite à Marc pour une quinzaine de minutes chacune. J'invite les participants à s'inscrire à vos questions et je vais les poser à nos conférenciers dans la deuxième partie de la session. Au revoir. À toi, Jocelyn.
Très bien. Merci, Margaret. Merci, John. Merci, Marc, aussi, d'être présent. Merci à ceux qui ont lu mon livre. Il est évident que vous allez retrouver dans la conférence que je vais donner ce soir des éléments qui sont contenus dans ce livre, puisqu'il y a un chapitre complet qui s'intitule « La France est-elle encore une grande puissance ?» Pourquoi je pose cette question ? C'est parce qu'il y a en France, depuis très longtemps, je dirais depuis une vingtaine d'années surtout, toute une industrie très riche, très prospère de gens qui passent leur temps à écrire sur le déclin de la France. La France n'existerait plus. Elle n'aurait plus d'influence. Son économie serait en train de s'effondrer. Elle perdrait sa langue et sa culture, et surtout son influence à l'étranger. À chaque fois, par exemple, que la France perd un contrat, par exemple les sous-marins avec l'Australie, ou lorsqu'elle perd une base militaire au Mali, ça y est, les journaux sont déchaînés et disent que la France est maintenant ravalée au rang d'un pays africain. Donc, toute cette atmosphère qui est entretenue par des journalistes, mais aussi des commentateurs et parfois des experts, m'a exaspéré. Pas parce que mon père est français puis que ça fait 40 ans que je vais en France, mais parce que lorsqu'on commence à réfléchir à une problématique, on essaie d'aller un petit peu plus loin que l'opinion commune. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens en pensent dans un café ou dans un bar? Je me suis posé la question, comment se fait-il que des spécialistes, des personnalités éminentes puissent dire que la France n'est plus une grande puissance, qu'elle est en fait une puissance moyenne? Et c'est ce qu'on retrouve souvent dans les journaux depuis plusieurs années. J'ai même trouvé un journal où, dans une page, on disait que la France était devenue une puissance moyenne, et dans l'autre page, que la France était une grande puissance. Je me suis dit, moi, ancien journaliste, qu'il y a des gens qui ne faisaient pas leur travail lorsqu'ils éditaient ce genre de texte. C'était, comme on dit en France, vraiment n'importe quoi. Alors, d'abord, pour déterminer si la France est encore une grande puissance, et c'est ce que je pense, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'une puissance? Quand on est à l'université, qu'on est face à un concept, on doit en déterminer les attendus, en faire la définition. La puissance, excusez-moi, je vais lire un petit peu le texte parce que je veux être très précis, la puissance, c'est d'une certaine façon l'ensemble des ressources économiques, militaires, diplomatiques qu'un État peut assembler pour marquer son statut et son influence dans le monde. Elle est composée de deux éléments. En premier lieu, il y a ce que l'on appelle le hard power, ou le pouvoir de coercition, qui s'exerce à travers les moyens militaires et économiques, en général. Puis, en deuxième lieu, il y a le soft power, ou le pouvoir d'influencer, de convaincre. Il est composé d'un ensemble d'éléments où l'on retrouve la diplomatie, la sphère d'influence, la culture, la langue, le sport, l'éducation, le tourisme, les valeurs. La puissance peut donc être hiérarchisée, puisque maintenant on a des éléments de la définition. Deux personnes que vous connaissez bien ont hiérarchisé cette puissance. Pour Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller à la sécurité nationale du président Carter, les États-Unis sont une superpuissance. Pourquoi? Parce qu'elle se caractérise par sa suprématie simultanément dans quatre domaines clés, militaire, économique, technologique et culturel. C'est donc la première catégorie de la puissance. Il n'existe actuellement qu'une superpuissance. Mais Hubert Védrine va plus loin en parlant de la domination totale des États-Unis. Il l'appelle l'hyperpuissance. Il dresse le constat suivant.
Le terme de superpuissance ne suffit plus pour décrire les États-Unis, écrit-il. Terme trop connoté à la guerre froide et trop exclusivement militaire. Aujourd'hui, l'hyperpuissance américaine s'exerce aussi bien sur l'économie, la monnaie, la technologie, les domaines militaires, que sur les modes de vie, la langue et les produits culturels de masse qui submergent le monde, modelant les pensées, fascinant jusqu'aux adversaires des États-Unis. Donc là, on est dans une catégorie à part, qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Après la superpuissance, il y a une deuxième catégorie, celle que moi j'appelle les grandes puissances. Ce sont des États qui regroupent de nombreux éléments de la puissance, mais pas tous. Quatre d'entre eux, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni, sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et sont détenteurs du droit de veto, bien sûr, au Conseil de sécurité, mais aussi de l'arme nucléaire. Donc ça, c'est la première catégorie de grande puissance. J'y ajouterais, et ça peut être contesté, l'Inde, autre État nucléaire, et de plus en plus puissance économique, culturelle, avec beaucoup d'influence dans sa zone géographique, mais aussi en Afrique. On s'en rend compte lorsqu'on voyage, comme j'ai voyagé en Afrique pendant 20 ans. Même parmi ce groupe de cinq grandes puissances, certains sont plus puissants que d'autres, et j'y reviendrai. Il y a ensuite la troisième catégorie, celle des puissances moyennes, dont il est difficile de cerner les contours exacts et donc de sélectionner avec précision les États qui en sont membres. Sans risque de se tromper, on y retrouve quand même le Japon, l'Allemagne, le Brésil, la Turquie, l'Afrique du Sud, le Canada, l'Australie, mais aussi Taïwan et la Corée du Sud. Et il y en a certainement d'autres. Même des petites puissances, comme la Norvège avec ses 4 millions d'habitants, pensent parfois être une puissance moyenne. Là encore, certains de ces États ont les éléments de la puissance, mais il leur manque de nombreux autres pour accéder au rang de grande puissance. Enfin, cet ensemble de trois catégories est suivi par la quatrième et dernière, celle des petites puissances, tout aussi hétéroclite dans sa composition. Et là, vous pouvez nommer 150 pays certainement qui font partie de ce groupe. Donc, je crois qu'à partir de la définition que j'ai donnée de la puissance, la France se retrouve donc dans le cercle des grandes puissances et non dans celui des puissances moyennes. Il se pourrait même qu'elle soit la première des grandes puissances. Et laissez-moi l'expliquer. Quels sont les éléments de la puissance qui font de la France une grande puissance, sinon la première? Sur le plan militaire, elle se situe au premier rang des grandes puissances. En effet, la France dispose d'armes nucléaires, d'un budget militaire appréciable, d'une armée importante dont environ 15% des effectifs sont déployés constamment à l'extérieur du pays, de bases et de points d'appui militaires sur 5 continents, principalement en Afrique, où elle domine les autres puissances, d'accords de défense avec des dizaines de pays, d'une industrie de l'armement dont les exportations placent le pays au troisième rang, et d'une position, bien sûr, au sein des grandes organisations internationales comme l'Union européenne, l'OTAN, l'ONU, avec son siège au Conseil de sécurité. À titre de comparaison, la Chine n'a qu'une base militaire à l'étranger, à moins que quelqu'un me corrige là-dessus, et c'est à Djibouti, et une capacité de projection militaire réduite pour l'instant, bien sûr. Même chose pour la Russie,
qui demeure une puissance régionale, avec quelques bases en Syrie et quelques mercenaires en Afrique. Il reste encore à voir si tout ça va tenir. Avec le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, la France est la plus grande puissance militaire de l'Union européenne et de l'ensemble européen de l'OTAN. Elle dispose enfin du deuxième domaine maritime au monde avec 10 millions de kilomètres carrés. Enfin, la France, comme les États-Unis, et on peut mettre ces deux pays pratiquement sur le même pied dans ce domaine, a une expérience de combat que les autres grandes puissances ont peu. Et je pense aussi à la capacité de projection militaire de la France. Enfin, sur le plan économique, si la Chine occupe le premier rang des grandes puissances, la France tient le sien. Le quotidien La Croix a réuni en février 2022 les dernières statistiques. Elles ne devraient pas faire rougir les Français. La France est la 15e économie la plus compétitive du monde, à en croire le Forum de Davos. Elle est le 11e pays le plus innovant et le 6e puissance commerciale dans le classement de l'OMC. Pas trop mal pour une nation qui pèse moins de 1% de la population mondiale, mais qui produit chaque année plus de 3% de la richesse mondiale, ce qui en fait la 6e économie du monde, écrit le journal. Mais quand on parle de la 6e économie, on parle de chiffres. Il y a l'Inde avant la France, qui serait la 5e économie du monde. Mais entre vous et moi, avec tout le respect que j'ai pour l'Inde, c'est quand même un pays en développement, avec des centaines de millions de pauvres qui vivent avec à peine 2 dollars par jour. Donc la France est dans une autre catégorie. L'euro est sa monnaie et Paris exerce une grande influence sur les économies africaines à travers le franc CFA. Et pour vous faire sourire un peu, la France se classe au deuxième rang mondial après les États-Unis pour le nombre de piscines privées. En matière de soft power, la France rayonne comme aucune autre grande puissance. Et je termine là-dessus. Elle est la première destination touristique. Elle dispose du deuxième réseau d'instituts culturels, du deuxième contingent de fonctionnaires dans les organisations du système des Nations Unies, du troisième réseau diplomatique, de la seule langue avec l'anglais utilisée officiellement dans la plupart des organisations internationales, et enfin, bien entendu, d'une importante diaspora. À travers la francophonie, elle exerce une influence considérable sur les 300 millions de francophones qui seront 800 millions en 2050. Enfin, elle accueille en Guyane une aire de lancement pour les fusées Ariane. Donc, j'ai essayé, je crois, très succinctement, à travers l'ensemble de ces statistiques, de faire mentir ceux qui croient que la France est une puissance moyenne. Elle est toujours une grande puissance. Et à mon avis, elle pourrait être la première des grandes puissances. Merci. À Marc, maintenant. John, merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup à Margaret et à John de m'avoir invité à participer à ce séminaire du chapitre du CIC d'Ottawa. J'en suis fort heureux et je suis particulièrement heureux de participer avec Jocelyn Coulon. Jocelyn, que je connais comme John depuis fort longtemps, mais que je considère aujourd'hui comme un des meilleurs commentateurs sur les questions internationales que nous ayons au Canada, que ce soit au Canada français comme au Canada anglais. Jocelyn est maintenant reconnu comme vraiment un de nos meilleurs commentateurs et c'est toujours très agréable de le lire. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à lire son livre qui m'est arrivé de Québec ce week-end dernier, Ma France. Alors, grande puissance ou non, Jocelyn a écrit un
chapitre, je vais faire simplement quelques réflexions sur ça. Vous avez, Jocelyn, mentionné Hubert Védrine. Il n'y a aucun doute que les conseillers diplomatiques qui ont côtoyé les présidents au cours des dernières années, Hubert Védrine, plus que conseiller diplomatique, il a été le ministre des Affaires étrangères également, mais il a été conseiller diplomatique chez Mitterrand. Lui se plaît à décrire la France comme une puissance moyenne qui tient son rang, ou une puissance moyenne de rang mondial. Il aime beaucoup cette expression-là, et c'est lui, comme tu l'as souligné, Jocelyn, qui a mentionné, qui a créé le mot hyperpuissance. Maurice Gaudreau-Montagne, qui a été le conseiller diplomatique et un éminent diplomate français, lui aussi parle de puissance moyenne. Alors, est-ce que ça correspond au déclinisme qui existe en France? Peut-être, mais ce sont des gens qui sont également très réalistes. Et celui que j'ai eu la chance de retrouver comme président de la République, François Hollande, lui, qui aime beaucoup les jeux de mots, qui aime s'amuser avec la langue, parle de grande puissance moyenne. Parfois, il va dire moyenne puissance grande. Alors, il aime jouer avec ces mots, et j'ai remarqué que dans son dernier livre, Bouleversement, il parle de la puissance, la France, une puissance d'initiative. Et je crois que c'est à retenir. Mais devant toutes ces analyses, mon cher Jocelyn et John, j'ai décidé de poser la question, comme tous les étudiants le font ces jours-ci, depuis quelques mois, au logiciel de l'intelligence artificielle, le ChatGPT-4. Alors, je suis allé voir le ChatGPT-4 et je lui ai dit, la France, considérez-vous toujours la France comme une grande puissance? Alors, je vais lire très rapidement ce que le ChatGPT-4 nous dit succinctement. La France a traditionnellement été considérée comme l'une des puissances mondiales en raison de son importance historique, de sa force économique, de ses capacités militaires et de son influence culturelle. Parmi les facteurs importants que ChatGPT cite, il mentionne membre du G7, siège au Conseil de sécurité, capacité nucléaire, industrie de défense solide, une technologie et son innovation avancée, un réseau diplomatique influent, contribution artistique et culturelle, et enfin son rôle de premier plan dans la formation des affaires européennes. La France est un acteur majeur de l'Union européenne. Il conclut donc que la France est toujours une grande puissance. Alors, mon cher Jocelyn, l'intelligence artificielle la plus sophistiquée qui est sur le marché en ce moment, et ton dernier chapitre de ton livre « La France » arrive à la même conclusion. Alors, je crois que toi, comme ChatGPT-4, vous méritiez, si j'étais ambassadeur de France au Canada, vous méritez la Légion d'honneur pour avoir attribué à la France ce titre, conservé plutôt ce titre de grande puissance. Mais peu importe si on définit la France comme une grande ou une moyenne puissance, j'aimerais dire que la France demeure un acteur incontournable sur la scène internationale pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que la France a une pensée stratégique en matière de relations internationales. La France réfléchit
et elle réfléchit profondément sur les enjeux internationaux et elle a une autre qualité, cette capacité que François Hollande a bien décrit, cette capacité d'initiative et que d'autres ont décrit comme étant une capacité d'audace. La France, elle ose. La France, elle a de l'audace sur la scène internationale. Et j'en tiens comme exemple à ce qui se passe aujourd'hui et demain à Bratislava et en Moldavie. La France a lancé en mai dernier au Parlement européen l'idée de créer une communauté politique européenne. Les uns et les autres ont mal réagi à cette idée en disant « voilà les Français qui veulent repousser l'Ukraine et d'autres aspirants à l'Union européenne en les mettant dans un petit groupe séparé, en les faisant patienter, en mettant les pays, les Balkans dans cette catégorie. » Mais au fur et à mesure que la France a développé ses idées, a développé un agenda pour la communauté politique européenne, eh bien, les Européens ont réagi positivement à cette initiative de Macron et ont dit « c'est très bien ». Alors demain, en Moldavie, vous avez 47 chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent à Chișinău, en Moldavie, pour soutenir et discuter des questions politiques qui touchent cette grande communauté. D'abord, les 27 membres de l'Union européenne, en plus de Mme Ursula von der Leyen et de Charles Michel, le président de l'Union européenne, en plus d'eux, vous avez Rishi Sunak de la Grande-Bretagne, vous avez l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Turquie viendra-t-elle, je ne le sais pas, c'est un point d'interrogation sur la Turquie. Mais tout à coup, il invite aussi tous les pays baltes, tous les pays des Balkans qui attendent. La Macédonie, le Kosovo et la Serbie qui s'affrontent ces jours-ci. Alors la France, avec cette initiative-là, va créer un dialogue et un dialogue qui va bien sûr se concentrer sur comment envisager les relations Est-Ouest, comment envisager les relations avec la Russie. Alors vous avez une idée qui est sortie de Paris et qui fleurit en ce moment sur la scène européenne. Et ces initiatives françaises sur la scène internationale se multiplient. Parfois, elles ne donnent rien, mais parfois, elles fleurissent. Ceci dit, malgré tout le plaisir que j'ai eu à lire Jocelyn, et son livre qui est très serein et qui est très... il nous donne beaucoup de plaisir à retrouver sa France à travers ses 16 chapitres de son livre. Il nous rassure sur la France. Et je suis sorti de cette lecture de façon très encouragée et très positive. Et je t'en remercie, Jocelyn, pour cette initiative que tu as pris d'écrire pour contrer les déclinistes français. Ceci dit, je dois dire que je suis inquiet sur la France. Inquiet pour des raisons, plus des raisons de politique intérieure que des raisons de politique internationale. Je suis inquiet, et ça aura sans doute un impact sur la grandeur de la France à l'international. Je suis inquiet qu'après moins d'un an de sa réélection, le président Macron est embourbé dans les questions de retraite et qui a fait face depuis le mois de janvier dernier à de multiples manifestations, dont la prochaine aura lieu la semaine prochaine, le 6 juin, à l'invitation de l'ensemble des forces syndicales françaises
on paralyse le pays. On a déstabilisé le système économique français au cours des derniers mois parce que toutes ces journées de grève amènent également des paralysies des trains, des transports en commun et autres et autres et autres. Alors, ce qui est assez inquiétant. Et enfin, le fait que Macron n'ait pas de majorité au Parlement et qui est dans cette Assemblée nationale, que cette majorité est polarisée. On parle de la polarisation aux États-Unis, mais la France est extrêmement polarisée au sein de son Assemblée nationale entre une extrême gauche et une extrême droite. Et rien ne rapproche les uns et les autres, et il n'y a pas de compromis qui se dessine à l'horizon. Et cette semaine, le gouvernement français a présenté sa nouvelle législation sur l'immigration. Et sur l'immigration, qu'est-ce qu'on voit à la première lecture? C'est on vire à droite, mais à droite toute. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que l'extrême gauche, ou la gauche, mais une gauche radicale avec la France insoumise, c'est d'ailleurs un très bon titre de ce parti politique, la France insoumise, nous sommes des insoumis, elle veut casser la baraque, elle veut en finir avec la Ve République, elle veut créer une VIe République différente. Et pendant ce temps, l'extrême droite gagne et monte constamment dans les sondages, sondage après sondage. Il reste bien sûr 4 ans au quinquennat Macron, 4 ans pour remettre la France sur un bon pied domestiquement. Je crois que sur le plan international, elle est solide, mais domestiquement, elle est plus fragilisée en ce moment. Et que ces 4 prochaines années seront très, très, très compliquées pour le président Macron. Il peut difficilement convoquer un nouveau Parlement comme l'avait fait à son grand péril en 1997, Jacques Chirac, lorsqu'après des démonstrations monstres, avait décidé de convoquer les chambres et de dissoudre les chambres et d'aller en élection, ce qui a favorisé l'élection, le retour tout à coup de Lionel Jospin du Parti socialiste et qui a mis Jacques Chirac en cohabitation pendant 5 ans lors de son premier septennat. C'était à l'époque un septennat. Alors, malgré la sérénité qui se dégage du livre de Jocelyn et malgré le fait que la France est une grande puissance, elle a des grands défis sur le plan intérieur qui seront extrêmement complexes à gérer au cours des prochaines années, au cours du mandat de Macron. J'aimerais, avec la permission de John, passer de la France à nos relations bilatérales France-Canada et essayer de voir ce qui se dégage. John a servi comme numéro 2 à l'ambassade pendant plusieurs années. C'était des années difficiles. Depuis 1964, il faut bien le dire, la France et le Canada ont eu des relations complexes et compliquées qui ont forcé le gouvernement canadien à être actif, vigilant et innovateur sur le plan diplomatique. Et ça m'amène à toucher 2 points, celui des relations bilatérales avec la France et celui de la francophonie. Relations compliquées en 64, certains de mes prédécesseurs comme ambassadeur et des grands ambassadeurs comme Jules Léger a pu être envoyé par le gouvernement canadien comme un grand ambassadeur en France, a été complètement ostracisé de 64 à 68, c'est 4 ans en France,
parce que le général de Gaulle avait décidé, on en connaît tous son Vive le Québec libre, mais avait décidé que son gouvernement allait appuyer les aspirations du nationalisme québécois dans son affirmation de sa personnalité internationale. Il favorisait la France, favorisait donc le Québec avant toute considération à l'égard du Canada, ce qui dérangeait énormément le Quai d'Orsay et une suite de ministres des Affaires étrangères, et en premier lieu Maurice Couve de Murville à l'époque, en 1967. Mais sans faire l'histoire de ces relations compliquées qui ont duré pendant une bonne partie, je vais reprendre quelques dates importantes, mais qui ont duré. Nous sommes en ce moment dans une période extrêmement fertile pour renforcer, diversifier, approfondir la relation entre la France et le Canada. Depuis 25 ans, c'est peut-être ceux qui président à la gestion de cette relation profitent d'une atmosphère extrêmement, extrêmement positive pour plusieurs raisons. Le Canada a une image extrêmement solide en France. Le Canada fait rêver les Français. Elle fait rêver les Français sur plusieurs points. Un, c'est un grand pays, dynamique, innovateur, plein de ressources naturelles. C'est un pays accueillant. C'est un pays de diversité. C'est un pays de multiculturalisme. C'est un pays qui a su gérer son immigration. Et pour les Français, dans leur tête, c'est extrêmement important de savoir que un pays est capable d'être ouvert à l'immigration alors qu'eux sont complètement, mais complètement absorbés par la question d'immigration et qui va prendre de l'ampleur, je vous assure. C'est un sujet qui va prendre de l'ampleur avec la montée constamment du Rassemblement national et de Marine Le Pen, il va prendre de l'ampleur dans la vie politique française. Le Canada, à cet égard, fait rêver. Je vous invite à lire le discours de l'ambassadeur Stéphane Dion, qui l'a prononcé lorsqu'il est son premier discours à Paris devant France-Amérique. Et dans lequel il montre et il démontre à quel point le potentiel de coopération entre la France et le Canada en ce moment est très grand. D'abord, à cause de l'accord Union européenne-Canada. Deuxièmement, il parle d'économie verte, il parle d'énergie verte, il parle de matières premières. Il parle d'innovation. La recette pour les prochaines années dans nos relations entre la France et le Canada, elle est là. Si on est capable de mettre en œuvre un plan d'attaque, un projet, une stratégie pour rapprocher les économies françaises et les économies canadiennes et l'économie canadienne davantage en suivant ces quatre pistes-là, je crois que les relations avec la France seront solides pour les prochaines décennies à venir. Ah, c'est vrai. Ceci dit, il ne faut jamais oublier la remontée, une certaine remontée du nationalisme et des indépendantistes au Québec. Et qu'a fait Paul Saint-Pierre Plamondon après avoir fait élire trois députés, pas beaucoup, trois députés?
Il est allé frapper à la porte des Français et il est allé frapper à la porte des Écossais, mais surtout des Français, où tout à coup, le lobby québécois, qui a été extrêmement actif pendant plus de 30 ans en France, est plutôt endormi. Et ce nationaliste québécois voudra affermir sa personnalité, comme d'autres avant, affermir sa personnalité internationale. Alors, il faut que le Canada et sa diplomatie demeurent, non pas paranoïaques, mais vigilantes, qu'elles demeurent vigilantes et qu'elles développent des initiatives et des projets à cet égard. Certains ont écrit avec beaucoup, beaucoup d'acuité, beaucoup de précision sur les relations triangulaires, et notamment notre ami Gilles Duguay qui a écrit un beau livre sur ces relations et comment la francophonie est-elle née. Mais la francophonie, elle est née parce que la France a appuyé les desiderata québécois d'être présents sur la scène internationale, non seulement à Paris, mais également dans le monde francophone. Et c'est là où la diplomatie canadienne a été très innovatrice. Et je crois qu'il faut remercier des gens comme Max Yalden. Ce sont des vieux noms qui sont, peut-être certains vont reconnaître, mais Max Yalden, Alan Gottlieb à l'époque. Ces anglophones qui ont examiné les problèmes et qui ont proposé des pistes de solutions comme un gouvernement participant au sein d'institutions internationales, ce qui ne s'était jamais vu. Alors, et je dois dire également, nous avons perdu Marc Lalonde, mais Marc Lalonde était chef de cabinet de Pierre Trudeau, père, à cette époque-là, donc qui a donné sa bénédiction à toutes ces propositions audacieuses de la diplomatie canadienne pour faire une place au Québec en même temps que respecter les relations bilatérales et les compétences fédérales en matière internationale. Alors, il ne faut jamais perdre de vue, il ne faut pas penser que c'est un chapitre qui est complètement tourné, c'est un chapitre qui est là. Vous avez vu le ministre des Affaires de la culture du Québec il y a une quinzaine de jours annoncer que il allait se faire accompagner de deux conseillers sur les questions culturelles et internationales. Madame Louise Beaudoin, la chef du lobby québécois pendant de nombreuses années à Paris, et Clément Duhem, qui a été une cheville ouvrière absolument remarquable sur le plan de la construction de la francophonie. Clément Duhem, qui reste un des grands bâtisseurs de la francophonie. Alors, tout à coup, gouvernement du Québec se donne des conseillers qui, pour les aider à mieux défendre, promouvoir leurs intérêts à l'international. Alors, je signale simplement que la France, pour le Canada, demeure un pays, qu'elle soit une grande puissance, qu'elle soit une puissance moyenne, la France demeure pour le Canada un pays incontournable, un pays fondamental avec lequel il faut développer une relation. Et c'est la raison pour laquelle, au cours des dernières décennies, le rôle des premiers ministres du Canada a été capital dans la bonne gestion de nos relations avec la France. Pierre Trudeau avait une relation difficile avec Giscard d'Estaing. Il n'aimait pas Giscard d'Estaing, il faut bien se le dire, il ne l'aimait pas, il trouvait que Giscard le prenait de haut et qu'il n'avait pas assez de considération pour le Canada et il n'aimait pas Giscard d'Estaing. Mais les autres premiers ministres ont toujours développé des relations avec les présidents français remarquables.
Le premier invité de Brian Mulroney à Ottawa en novembre 1984, n'oubliez pas qu'il est élu le 4 septembre 1984, la première semaine du mois de novembre, il reçoit le jeune premier ministre Laurent Fabius à Ottawa. Et qu'est-ce qu'il dit dans son discours de bienvenue à Laurent Fabius? Il fait un discours en disant « Dorénavant, le gouvernement du Canada reconnaît que le Québec peut avoir des relations directes et privilégiées avec la France dans le respect des compétences fédérales. » Les Québécois oublient toujours cette dernière partie de la phrase « dans le respect des compétences fédérales. » C'est venu changer complètement la donne de nos relations avec la France à ce moment-là, parce que ça mettait un point final à toutes les bagarres de drapeaux, de protocoles, les guerres protocolaires entre Québec, Ottawa, Paris, sur la scène africaine, en France, les petits gestes posés à l'égard des uns et des autres, la montée des marches de René Lévesque à l'Assemblée nationale. Bref, le tapis rouge à l'Hôtel de Ville pour Jacques Parizeau. Bref, des petits gestes qui étaient posés. Tu es en train de nous raconter toute l'histoire des relations, là. Marc, je crois qu'il ne nous reste que moins de 25 minutes. Je veux ouvrir une période de questions. Tu as fait une présentation magistrale, et quand tu compares le livre de Jocelyn ou son chapitre 16 avec ce que vous avez obtenu sur l'intelligence artificielle, moi je trouvais que peut-être ils ont piégé beaucoup du livre de Jocelyn dans leur réponse. Oui, ça doit être ça qui est arrivé. Avant d'ouvrir la période de questions, première chose pour les participants, si vous touchez sur votre... Ruben apparaîtra en bas de votre écran où il se trouve un bouton Q et A. Ça veut dire questions et réponses. Et c'est là où vous devez mettre vos questions. Pas sur le chat, mais sur le Q et A. Jusqu'à date, il n'y a aucune personne qui a posé une question. C'est moi qui devais lire les questions. On n'ouvre pas la parole aux participants. Mais je veux donner à Jocelyn l'opportunité peut-être de parler un peu d'autres choses. Vous avez fait une présentation magistrale sur un de vos points, mais ce n'est pas uniquement le seul point dans votre livre. Et peut-être vous pouvez parler aussi de vos impressions sur le rapport France-Canada. Vous avez fait une vignette sur l'affaire Pisani dans le monde où un Français distingué a mis une proposition que tu as trouvé absolument absurde sur comment réformer la Constitution canadienne dans 4 étapes, dans moins de 2 ans. Moi, je pourrais ajouter d'autres comme ça, mais si vous pouvez dire des choses. Non, mais en fait, c'est un chapitre sur l'identité du Québécois qui arrive en France. Moi, évidemment, mon père est français, donc j'ai une famille en France et ça fait 40-50 ans que je suis en contact avec eux. Et il y a toujours cette ambiguïté lorsqu'on arrive en France, à savoir, est-ce qu'on nous adresse en nous disant « vous êtes un Québécois ou vous êtes un Canadien ?» Et habituellement, de ma propre expérience, les Français nous appellent des Canadiens. Je crois qu'ils n'ont pas encore fait le saut vers ce qu'on appelle l'identité québécoise. Et ça peut s'expliquer de différentes façons. Par exemple, l'histoire, l'éducation en France, où le Canada apparaît comme un acteur de la scène politique, militaire et diplomatique en France. Ce sont les Canadiens qui sont arrivés en Normandie. Ce sont les Canadiens qui ont participé à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, cela apparaît dans les livres d'histoire. C'est le Canada qui est membre des Nations unies, qui est membre du G7 ou d'autres organisations internationales. C'est le Canada qui agit diplomatiquement avec la France, malgré tout ce que le Québec peut faire.
Et donc, l'identité canadienne est encore très présente en France et chez les Français. Mais il ne faut pas oublier que lorsque un Français nous appelle un Canadien, il veut aussi dire un Québécois, car il sait très bien qu'on n'arrive pas de Calgary ou de Vancouver ou de Victoria, avec tout le respect que je dois à ces belles villes canadiennes. Et donc, il y a toujours cette ambiguïté qui fait en sorte que c'est Québécois, Canadien, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui défait la relation entre les deux peuples, bien au contraire, c'est peut-être le sel qui l'alimente. Et pour dire aussi que la France, évidemment, aime bien dire qu'elle connaît le Québec et le Canada, mais parfois, quand vous lisez la presse française, vous êtes capable d'identifier tous les clichés et les erreurs qu'on peut faire quand on vient en voyage pour 15 jours, 3 semaines et qu'on décide d'écrire un papier sur la culture, l'économie, la constitution, la politique québécoise ou canadienne. Et à chaque fois que je repère les erreurs que nos amis français font sur le Québec et le Canada, je me demande toujours si, lorsque je lis un article sur la Birmanie dans un magazine français, tout ce que je lis est juste. Parce qu'après tout, c'est comme ça qu'on évalue la qualité des articles aussi. C'est s'assurer que les faits soient bien exposés, ce qui permet évidemment des analyses un peu plus sophistiquées. Voilà, c'était un peu le résumé de ce chapitre, John. Merci, Jocelyn. Alors, nous avons un commentaire de Scott Proudfoot qui dit « N'oublions pas un des grands atouts de la France, c'est la qualité professionnelle du Quai d'Orsay, ça veut dire le ministère des Affaires étrangères en France. Oui. À propos des défis du président Macron pendant les 4 prochaines années, est-ce qu'on peut se souvenir d'une époque où de tels défis domestiques n'étaient pas présents? Ben, c'est vrai. Marc disait qu'il y a des soubresauts dans la société française, il y a cette montée des extrêmes qui est nouvelle par rapport à il y a 20, 30 ou 40 ans. Mais la société française a toujours été secouée par des mouvements sociaux plus ou moins violents, a toujours été paralysé par des grèves. Écoutez, moi, je me souviens, lorsque j'étais au Centre Pearson pour le maintien de la paix, on planifiait nos voyages en Afrique francophone. Et pour aller en Afrique francophone de Montréal, il fallait toujours passer par Paris, bien entendu, puisque ce sont les vols d'Air France, la plupart, qui desservent l'Afrique. Eh bien, on en était venu à lire les nouvelles sur les prochaines grèves qui allaient bientôt paralyser simplement l'aéroport Charles de Gaulle, parce qu'il devait y avoir à peu près 50 syndicats différents à Charles de Gaulle, que ce soit les hôtesses de l'air, les aiguilleurs, les bagagistes, le personnel technique, qui s'amusaient évidemment à paralyser l'aéroport et à nous faire rater nos avions. Et c'était une époque, c'est une anecdote évidemment, mais c'était une époque où la France, dans les années 80, 90, même début des années 2000, où les premiers ministres pouvaient tomber assez rapidement parce que leur programme n'était pas accepté par la foule. Alors, oui, je regarde ça, le mouvement des Gilets jaunes. Mais ce mouvement s'est liquéfié littéralement. Les mouvements de contestation sur la réforme de la retraite, mon sentiment, c'est que tout ça va passer. Là où Marc a raison, c'est la montée des extrêmes. Et qu'est-ce que ça veut dire pour dans 4 ans? C'est la grande inconnue. Merci, Marc. Est-ce que tu auras des commentaires sur cette question-là? Est-ce que c'est vraiment différent aujourd'hui qu'il était il y a 20 ans, ou quand il était là, ou quand moi j'étais là? On a toujours connu beaucoup, beaucoup de,
de grève en France et de perturbations sociales. Et puis, descendre dans la rue en France, c'est un sport national. Et puis, les Français aussi sont un peu régicides, comme on dit là-bas. Alors, quand on aime couper la tête du bois, on aime contester contre Macron, on a contesté Chirac, on a contesté Mitterrand, on a contesté De Gaulle, on conteste vraiment les présidents. Ceci dit, la grande différence, nous avons connu des cohabitations qui étaient absolument rocambolesques. Mitterrand et Chirac qui débarquent à Québec en septembre 87, c'est rocambolesque parce que c'est la première cohabitation qui a lieu. Et puis là, les deux se présentent, qui assoit la chaise de qui, où est-ce qu'on les met, où est-ce qu'on... Alors, les Français ont passé à travers, leurs institutions ont tenu. Voilà. Les institutions ont tenu correctement pendant toute cette période depuis 1958. Mais là, nous avons une grande différence, c'est qu'à travers tout ce mouvement de contestation, on conteste même les institutions de la Ve République. La gauche veut mettre par terre la Ve République pour créer une Sixième République et l'extrême droite est en train de remonter. La montée de l'extrême droite, c'est ce qui m'inquiète le plus. Elle m'inquiète non seulement pour la France, mais également à des degrés divers en Europe. On a vu ce qui s'est passé en Italie l'an dernier. Viktor Orban, qui sera président de l'Union européenne en 2024, suivi par la Pologne. Tout ça, cette réélection d'Erdogan, ne sont pas des signes. Et qu'est-ce que va-t-il se passer aux États-Unis, bien sûr, en 2024? C'est une considération qui va avoir son impact sur la suite des choses en France. Mais c'est la montée des extrêmes qui, en ce moment, m'inquiète le plus. Oui, c'est sûr. Bon, alors, je viens de voir qu'il y a deux questions. Première question, Derek Pelletier, merci d'avoir organisé cette session fascinante. Le temps et l'énergie que la France consacre à la construction européenne sont-ils des freins à son rayonnement ailleurs, en Afrique, de l'Ouest notamment? Qu'est-ce que vous en pensez, Jocelyn? Non, moi, je ne pense pas. Je pense que la France peut faire deux choses en même temps sur la scène internationale. La construction européenne, c'est comme on dit en anglais, « work in progress » depuis 60 ans, 70 ans. Et parfois, son moteur cale un peu, mais il me semble qu'elle avance toujours, cette construction européenne. Et les Français l'ont intégrée, malgré qu'ils rouspètent beaucoup contre ce qu'on appelle le diktat de Bruxelles. Ils sont bien heureux, comme tous les autres Européens d'ailleurs, de recevoir les subventions, que ce soit pour la politique agricole commune, dont la France bénéficie assez largement, merci. Et donc, je ne crois pas qu'il y a une dispersion de l'énergie. Je crois qu'en Afrique de l'Ouest en particulier, et même sur l'ensemble du continent africain, parce qu'il ne faut jamais oublier que la France est quand même assez bien déployée sur pratiquement tout le continent africain, sauf l'Afrique australe, est en train de reconfigurer sa présence en Afrique pour diminuer un peu la voilure. Mais en même temps, ce qu'on commence à remarquer, c'est l'approfondissement des relations avec l'Afrique anglophone, d'où le voyage de Macron au Rwanda il y a 2 ans à peu près, si ma mémoire est bonne, avec ce pays qui est un des plus dynamiques de l'Afrique anglophone. Donc, la France reste la première puissance en Afrique et c'est ce qui lui donne en partie sa puissance internationale. Oui, ceci dit, Jocelyn, la France connaît ses déboires également en Afrique de l'Ouest, notamment au Sahel. Bien sûr. Ce qui s'est passé au Mali,
ce qui se passe au Burkina Faso, en République centrafricaine. Bref, dans l'ancien empire français, dans ce domaine où le franc CFA domine, et on voit que les milices Wagner semblent s'implantent de l'un dans l'un de ces pays. Et le prochain, et on lit dans le matériel de milice Wagner, Abidjan, on s'en va du côté d'Abidjan, on va aller du côté du Cameroun. Alors tout à coup, cette présence française est hautement contestée dans certains pays, et notamment la tragédie du Sahel, qui est une tragédie très, 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 très lourde. Une question maintenant de Jean Riopel pour Jocelyn. Ils disent que je conviens que la France a tous les atouts d'une grande puissance, mais le pouvoir se mesure aussi par les résultats. Dans la plus grande crise des dernières années, l'agression russe en Ukraine, est-ce qu'on peut dire que la France joue un rôle efficace et influent, plus que les États-Unis? Macron a travaillé fort pour garder les liens avec Poutine, mais où sont les résultats? J'ai l'impression que l'échec, c'est l'échec de tout le monde. Ce n'est pas juste l'échec de la France. Parce que la France, tout seule, ne peut pas stopper Vladimir Poutine de faire ce qu'il a envie de faire, que ce soit en Géorgie, dans le Caucase, en Syrie ou en Ukraine. J'ai l'impression que la France a tout essayé pour éviter cette guerre, mais elle n'a pas réussi, tout comme les Allemands, tout comme les Britanniques et même les Chinois. Et donc, il y a parfois des choses qui nous dépassent, tout simplement. Certains pays, certains leaders de certains pays prennent des décisions et ils doivent vivre avec les conséquences. Et quelle que soit la puissance de la France, son influence se limite à ça. Ceci dit, j'aimerais ajouter aussi que l'activisme de Macron avec Poutine au cours des premiers mois de la guerre se faisait en tant que président de l'Union européenne. Aussi, il ne faut pas l'oublier. Il était président de l'Union européenne pendant cette période, les six premiers mois de la guerre, et il a rempli sa fonction non seulement comme président de la France, mais comme président de l'Union européenne, et il le faisait à cet égard. A-t-il donné des coups d'épée dans l'eau? Oui, mais comme Jocelyn le dit, comme tout le monde, personne ne voulait la guerre. Tout le monde a essayé d'éviter cette guerre, et puis tout à coup, pouf, le 24 février 2022, on a une guerre. L'Europe se retrouve en guerre. Oui, ce qui a favorisé, ne l'oublions pas, ce qui a favorisé sa réélection à Macron. Ce qui a favorisé sa réélection à Macron, parce que les Français ont bien compris qu'il fallait avoir un leadership solide et son rôle très actif auprès de Poutine ne lui a pas nui sur la scène domestique française. C'est un point qui fait Jocelyn dans son livre aussi. Gilles Poirier pose la question, un peu comme Marc a déjà fait. Le Mali a remplacé la France par la Russie. La France ne perd pas sa place en Afrique. La France perd des places en Afrique, mais lorsque vous la comparez à d'autres pays, ces places sont quand même assez fortes. Elle demeure, comme je le disais, la première puissance militaire sur le continent africain. Aucun autre pays occidental et les mercenaires russes, on verra ce que ça donne. Hein. Écoutez, ce phénomène, il est nouveau, alors il ne faut pas l'amplifier aussi. La France a un dispositif militaire en Afrique qui est exceptionnel, et ce qui lui permet évidemment de jouer sur les grands conflits. Alors, oui, peut-être a-t-elle perdu le Mali, mais cette histoire n'est pas terminée. C'est tout récent et on verra s'il y a de nouveaux dirigeants maliens. Peut-être reviendront-ils en se disant qu'est-ce que la Russie nous offre finalement? Qu'est-ce que nous avons échangé là?
Oui, très juste. Les prochaines années vont nous éclairer sur ça. Mais j'aimerais dire à cet égard que la France, cependant, a diminué son intérêt et son rôle vis-à-vis de la francophonie. Et ce sont tous des pays qui appartiennent à la francophonie. Oui, c'est la Tunisie, et vous descendez dans toute cette région du Sahel et tout ça, sont extrêmement importants. Et le seul intérêt qu'a eu Macron à l'égard de la francophonie, c'était de remplacer Michaël Jean par la Rwandaise dans le but de se rapprocher du Rwanda. Et finalement, c'est venu affaiblir la francophonie. Et la francophonie, aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Je ne sais pas si vous en entendez parler, Jocelyn, à Montréal. Pas vraiment, non. Mais tout à coup, la francophonie, elle a tenu un sommet insignifiant à Djerba au mois de septembre-octobre dernier, je pense. Et bon, nos premiers ministres sont allés se promener là, mais ils n'avaient pas le cœur à l'ouvrage. Alors que la francophonie a toujours été un élément très, très dynamique dans nos relations triangulaires et dans nos relations avec la France. Là, la France semble avoir perdu intérêt de ce côté-là. Alors, dernière question de Stephen Knowles. La France augmente sa présence dans la région Asie-Pacifique. Déploiement naval, jeux coulants. Que pensez-vous de ce pivot français? Je pense que la France fait comme tous les autres pays, c'est-à-dire regarde le centre du monde, le nouveau centre du monde. C'est là que se concentrent 4 à 5 milliards d'habitants. C'est là aussi que se concentrent les économies les plus dynamiques. Et il se trouve que la France a un pied à terre énorme dans cette région. Non seulement elle a ses territoires et départements d'outre-mer dans l'océan Indien, mais elle a aussi toutes ces îles dans le Pacifique Sud qui lui donnent une possibilité, une plateforme pour être présente dans ce grand échiquier qui est devenu l'Indo-Pacifique. Et j'imagine que le contrat des sous-marins avec l'Australie faisait partie aussi de cette stratégie de présence, qu'elle soit diplomatique, militaire ou industrielle. Ils ont perdu celui-là, ils gagneront peut-être autre chose. Il faut bien voir que la France est un des premiers vendeurs d'armes à l'Inde actuellement. Alors, elle n'a pas perdu ses places. À mon avis, elle est en train de les consolider. Une dernière question là, que j'ai trouvée sur le chat, mais que ça vient de Bob Haig. Quel a été le rôle de l'ambassadeur Lucien Bouchard dans la mise en place de la francophonie qui a vu les gouvernements fédéral québécois et Néo-Brunswick jouer un rôle qui a permis la francophonie de voir le jour? Je ne veux pas une grande explication, Marc, mais si vous pouvez donner, parce qu'il ne nous reste que 3 minutes, et je dois vous remercier encore. Alors, si tu peux me donner une réponse en 60 secondes, s'il te plaît. John, très rapidement. Lucien Bouchard a joué un rôle fondamental dans la création des sommets de la francophonie, puisqu'il a été nommé en 1985 à Paris. Mais celui qui a négocié l'accord entre Québec et Ottawa pour permettre la tenue des sommets de la francophonie, c'est Pierre-Marc Johnson, premier ministre, très court premier ministre à Québec, oui. Et Brian Mulroney à Ottawa. Ils négocient un accord permettant au Québec d'avoir un statut qui ressemblait au statut dans les autres institutions francophones, c'est-à-dire au sein de la délégation canadienne, une place pour le Québec. Le Québec pouvait s'exprimer sur tel et tel sujet, et le Canada s'exprimait sur les questions internationales. Alors, ce compromis a été à l'origine, et Lucien Bouchard jouait un rôle fondamental à Paris pour convaincre les Français et les autres de la francophonie de l'acceptation de tenir ce premier sommet qui a eu lieu en 1986 à Versailles. Merci, Marc. Et je suis certain, je constate par l'intérêt et les questions que c'est une conversation qu'on aurait pu continuer
pendant une autre 75 minutes, mais malheureusement, le temps nous échappe totalement. Et je veux remercier énormément Jocelyn Coulin et Marc Lorty d'être venus ce soir, avoir fait votre point de vue. J'espère que la plupart des participants qui n'ont pas encore lu le livre de Jocelyn ira le commander dans le reste du pays. On peut le commander par chapters. C'est ce que j'ai eu. Ça m'a pris 2 semaines de l'obtenir, mais c'est disponible sur chapters si vous n'êtes pas au Québec. Mais Marc, on peut avoir une autre conversation avec toi sur toute l'histoire Canada-France qui est fascinante et toujours fascinante. Ton rappel que « it's not over till it's over », comme dit Yogi Berra, est certainement le cas. Et on le voit ça même au Québec, où l'affaire de l'immigration vient de surgir d'une façon absolument extraordinaire. Mais on verra ça. Donc, de la part de tous les participants, je vous remercie infiniment pour votre participation et à la prochaine. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Jocelyn.